Bonjour à tous, namasté. Alors dans cette vidéo, j'aimerais prendre un petit moment pour vous expliquer un petit peu l'un de mes stages que je propose, qui s'appelle donc le plaisir au féminin. Alors le plaisir au féminin, c'est un stage que je propose pour les femmes. Donc je le propose en général plusieurs fois dans l'année. Donc vous pouvez aller voir un petit peu les prochaines dates que je propose en bas, en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi je vous propose ce stage-là, en fait? Tout sort bien sûr de mes expériences personnelles et ce qui pour moi m'a vraiment aidé à me connecter à mon essence féminine. Le premier déclic qui s'est passé en fait, ça a été spécialement de travailler sur ma sexualité et sur ma sensualité. Ça a été vraiment quelque chose de révélateur pour moi de travailler sur ces points-là. Et à partir de là, on va dire, c'était comme si un nouveau monde s'était ouvert à moi. Et j'ai vraiment senti mon essence féminine s'éveiller grâce à ce travail-là. Alors, vu que tout ce genre de travail, ça a été vraiment révélateur pour moi et révélateur pour plein d'autres femmes que j'ai pu observer de mes propres yeux, en fait, alors c'est sûr que. Voilà, j'ai forcément envie de vous partager ça à travers un stage. J'ai forcément envie de vous faire voyager, de vous faire. En fait, j'ai envie que vous vous rendiez compte de tout ce potentiel qui est là à l'intérieur de vous. En fait, tout ce potentiel, peut-être que vous en avez déjà. Peut-être que vous le sentez déjà, en fait. Moi, pour moi, c'était ça. Je sentais toute cette force, tout ce potentiel en moi, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et spécialement autour de la sensualité et de la sexualité, en tant que femme. Il y a plein de jugements, il y a plein de conditionnements qui sont venus se poser sur nous en fait et qui nous influencent et qui nous rabaissent là-dedans. Montrer que l'on est des femmes sensuelles, ça a été tabou pendant très longtemps. Nous avons été jugées pendant très longtemps et même encore de nos jours en fait, c'est toujours là. La plupart du temps dans ces stages de femmes que je propose, je me rends compte que on se bloque nous-mêmes par tous ces conditionnements, par tous ces jugements qu'on a reçus de la société, de la religion. Et juste le fait de se retrouver entre femmes, de parler de tout ça, de tous ces conditionnements, d'essayer de justement de. C'est la première phase pour casser en fait toutes nos limitations à ce sujet-là, c'est de se sentir soutenue par un groupe de femmes et où on traverse toute la même chose. On est tous dans notre chemin vers la libération, vers la découverte de soi en fait. Et juste d'être dans ce conteneur-là de bienveillance, dans la sororité. Ça va déjà nous aider à enlever toutes ces limitations petit à petit. En fait, c'est un travail qui se fait petit à petit, c'est sûr. C'est pas comme si au bout de 3 jours de stage, vous allez être totalement épanoui et que vous n'aurez plus de travail à faire du tout là-dessus. C'est un travail de tous les jours, en fait, qui se fait. Mais à travers un stage comme ceci, on va déjà commencer à aller travailler à la base de ces blocages, en fait. Donc, travailler sur les conditionnements, sur les jugements que l'on a reçus, essayer de transformer tout ça en quelque chose qui devient libérateur en fait. Ensuite, dans ce stage, on va forcément aller travailler à la source de cette sensualité, donc revenir dans le corps, revenir dans les mouvements, se reconnecter à son corps. Donc là, il va y avoir certaines parties très fun, on va dire très joueuses. Je vous préviens déjà, ça va être lingerie, ça va être sexiness, ça va être beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup d'authenticité. Le but ici, c'est de redécouvrir sa sensualité naturelle. Il y a tellement de manières d'exprimer sa féminité, d'exprimer sa sensualité. Il n'y a pas juste une seule manière de faire. Donc là, ici, c'est vraiment encourager toutes les femmes à découvrir leur propre qualité. Qu'est-ce que la sensualité pour elles, là, maintenant, aujourd'hui? Donc, il y a cet aspect très joueur que j'adore dans ce stage. Il va y avoir de la danse, du mouvement, de la lingerie sexy. Donc, tout ça va être là-dedans.
Ensuite, il va y avoir tout un côté vraiment connecté à la yoni. À la yoni, donc c'est notre vulve, notre vagin, notre espace sacré. C'est vraiment la porte de notre essence féminine. Et là, ici, il y a beaucoup de guérison à faire. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur notre corps en général, mais sur notre yoni particulièrement. Donc, on va aller à l'exploration de notre yoni à travers aussi l'anatomie et plein de petits exercices. Je ne vais pas vous en dire plus là-dedans, ça sera la petite surprise aussi pour vous. Et bien sûr, donc, la base de ce stage, c'est bien sûr la bienveillance, la sororité, le partage. On est toutes des femmes dans la voie, dans la découverte de soi-même, de notre féminité, de notre sensualité. Essayer d'intégrer un petit peu plus chaque jour cette sensualité et cette sexualité. Pour moi, ça fait des années que je travaille dessus. Et ce que j'adore dans cette voie-là, c'est que en fait, chaque jour, j'en apprends un peu plus. Chaque jour, je découvre des nouvelles sensibilités. Chaque jour, j'éveille mon corps un petit peu plus. Donc, c'est un voyage qui est infini. Ça peut être frustrant des fois, mais en même temps, on se dit que tout est encore à découvrir, qu'il y a tellement, tellement de potentiel et que c'est ça la magie du féminin. Et donc, en plus de cet aspect de partage, de sororité, de bienveillance, ce qui est vraiment important pour moi, c'est ce côté sacré. C'est pour ça que je propose des rituels aussi dans tous mes stages. Donc là, il va y avoir des rituels tous les jours, des rituels de connexion avec soi-même, des fois avec soi-même, des fois entre femmes. Bien sûr, dans tout ce contexte-là, en fait, il va y avoir des apports théoriques et des apports pratiques. Bien sûr, toutes ces pratiques, tous ces exercices que je vais vous partager, ça sera des propositions. S'il y a peut-être des choses que je vais vous proposer qui ne vont pas résonner avec vous, ou vous ne vous sentez pas à l'aise à ce moment-là. Bien sûr, je vais vous proposer des alternatives, mais vous pouvez aussi juste en profiter pour rester centré sur vous-même, juste observer peut-être. Mais il n'y a pas d'obligation de faire un exercice spécifique. Donc vous l'avez compris, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de pratiques, aussi comme du yoga, beaucoup de mouvements, beaucoup de danse, beaucoup de rituels, beaucoup de nature aussi. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. J'ai vraiment envie que ces enseignements soient le plus accessibles possible. J'ai envie que toutes les femmes sentent cette libération magique qui se fait à travers ce travail-là. Et j'ai vraiment envie de vous accompagner là-dedans. Alors si bien sûr vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires par exemple, ou à me les demander directement, m'envoyer un message privé. Vous allez pouvoir voir toutes les prochaines dates de stage juste en dessous de cette vidéo aussi. Au moment où je fais la vidéo, le prochain stage, c'est donc fin août, du 25 au 28 août, en Ardèche, dans un superbe cadre dans la nature. C'est magnifique. Donc je vous invite vraiment à me contacter si vous avez des questions et si donc vous voulez vous inscrire. À bientôt.